I got most of them. Ce village où nous sommes, c'est-à-dire le village de Yarakh, a été créé en 1914. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, il a un siècle d'existence et deux années. Ce village donc de Han a été érigé en commune d'arrondissement dans le cadre de la politique de régionalisation de l'État du Sénégal en 1996. Mais depuis 2014, cette commune d'arrondissement est devenue une commune de plein exercice, donc grâce à l'acte 3 de la décentralisation. La population actuelle est estimée à 70 000 habitants, composée environ, composée essentiellement de jeunes. Mais il est important aussi de dire que dans les premières années de l'indépendance, c'est-à-dire autrefois, les habitants du village tiraient leurs revenus donc d'activités importantes comme la pêche, qui était vraiment le premier secteur de développement donc de l'économie de Han. Les habitants aussi tiraient leurs revenus donc des activités agricoles, donc notamment du jardinage, du maraîchage. Ils travaillaient aussi dans les nombreuses usines qui étaient installées également à Han. Donc c'était des industries textiles, des industries pharmaceutiques et également des industries alimentaires. Mais pour la plupart, c'était des industries alimentaires, c'est-à-dire des sociétés de pêche. Et les habitants également intervenaient aussi dans le domaine des activités artisanales. Eh bien, ces activités que les habitants faisaient autrefois leur procuraient vraiment des richesses extrêmement importantes qui leur permettaient vitalement de satisfaire leurs besoins, donc de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, de prendre en charge correctement vraiment les frais de scolarité de leurs enfants. Donc c'était comme si nous vivions dans un paradis à l'époque, parce que même certaines sociétés qui étaient placées ici à Han parfois envoyaient des manœuvres pour leur dire de venir recruter des travailleurs. Mais les gens leur répondaient qu'on ne veut pas travailler, on ne veut pas travailler, parce que déjà avec la pêche, avec les activités agricoles, ils arrivaient à avoir de l'argent qui leur permettait vitalement donc de pouvoir régler leurs problèmes. Mais cette situation allait changer parce que tout simplement à partir d'abord des années 80 il y a les propriétaires donc des jardins donc qui ont été expropriés, il faut le dire, hein, par des sociétés immobilières pour construire ce qu'on appelle actuellement les logements de la cité Maris. Donc ceux qui intervenaient dans les activités agricoles ont perdu leur travail. Mais aussi à côté, il y avait un autre problème beaucoup plus dangereux. Vous savez que au Sénégal par exemple, 80% des industries sont installées à Dakar. Mais parmi ces 80% des industries, les 60% de ces usines-là sont implantées à Han. Ce sont des industries, comme j'ai dit tout à l'heure, textiles, alimentaires, pharmaceutiques, qui déversaient chaque jour depuis 1963, plus de 15 000 mètres cubes d'eau usée dans la baie de Han. Les eaux qui étaient déversées par les sociétés étaient des eaux qui contenaient des produits hautement toxiques, tels que le phénol, tels que la soude caustique, tels que le plomb, tels que les hydrocarbures. Et aussi, il y a un autre problème. Le village de Han, depuis sa création aussi, ne dispose pas
d'infrastructures socio-sanitaires, c'est-à-dire n'a pas de budoir, n'avait pas de poubelle, n'avait pas de puisard, n'avait pas un système d'évacuation des eaux aussi bien pluviales que des eaux domestiques. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les populations déversaient leur eau usée et parfois même leurs déchets, ou bien sur la plage, ou bien dans la mer. Maintenant, ces deux formes de pollution, c'est-à-dire la pollution des usines et la pollution domestique, ont fait disparaître les poissons. Beaucoup de poissons sont morts, les autres poissons sont allés au large. Alors, et il n'y avait pas aussi véritablement de la part des pouvoirs publics des orientations qu'on avait données à la population pour pouvoir trouver encore d'autres alternatives, surtout pour les jeunes. Hein, on ne leur avait pas dit comment ils devaient faire, par exemple, pour pouvoir se procurer un emploi qui leur permettait de régler leurs problèmes, mais aussi de régler les problèmes de leur famille. Donc, premièrement, l'expropriation des agriculteurs, les terres qu'on a récupérées, la pollution domestique et industrielle qui a provoqué la disparition des ressources de la mer, le manque de prise en charge des enfants qui étaient victimes de la déperdition scolaire, l'absence également de propositions concrètes par rapport à la situation sociale donc des habitants de Han, mais aussi la fermeture de beaucoup de sociétés de pêche, comme par exemple Sénépesca, comme Sardine Afrique, comme Surgel, comme Procosen, comme Sapal, qui employaient beaucoup de personnes. Ces sociétés-là ont fermé. Et puis, tous les habitants qui travaillaient là-bas sont tombés dans le chômage. Donc, en résumé, l'expropriation des agriculteurs, la fermeture des sociétés de pêche, la disparition également des poissons ont plongé les habitants du village dans le chômage et la pauvreté. Alors, les jeunes qui étaient les plus braves, les plus énergiques, n'avaient plus d'emploi. Ils pouvaient passer vraiment toute une journée sans avoir de quoi acheter un sachet de café ou bien acheter des médicaments. Ils étaient là, en face de leurs parents, qui avaient vieilli, qui eux aussi n'ont aucune source de revenus. Alors, les jeunes n'avaient aucun moyen de voyager légalement, c'est-à-dire par avion, hein, n'est-ce pas, vers l'Europe. Alors, c'est pourquoi devant cette situation-là, quand ils ont appris qu'il était possible de voyager en Espagne par pirogue en 2006, alors tous les jeunes ont sauté sur l'occasion et ils ont pris les pirogues pour se rendre en Espagne dans l'espoir de trouver là-bas un emploi qui leur permettra véritablement de subvenir à leurs besoins, mais aussi de soutenir leurs parents, leurs amis et leurs proches. Alors, mais malheureusement, au cours du voyage, beaucoup de migrants qui avaient choisi cette voie-là sont morts. D'autres sont arrivés. D'autres également ont été rapatriés. Et d'ailleurs, même ces rapatriements de 2006, les premiers qu'on a rapatriés, quand ils sont arrivés au Sénégal, ils étaient très mécontents. Ils étaient extrêmement fâchés.
ils se sont organisés et ils ont organisé des manifestations. Pendant presque toute une journée, ils ont enflammé des pneus sur presque toute la route de Rufisque, n'est-ce pas? Eh bien, les forces de l'ordre sont intervenues. Il y a eu ce jour-là beaucoup de gaz lacrymogène. Ce jour-là même, je me rappelle, nous étions nous ici à l'école, mais on ne pouvait pas sortir. Parce que tout simplement, eh bien, c'était un peu dangereux à cause des manifestations, à cause également de la fumée des grenades. Donc nous étions vraiment restés prisonniers ici jusqu'à presque vers 14 heures, n'est-ce pas? Alors donc, c'est ça la situation donc, qui a été la cause principale de l'immigration donc irrégulière de ces jeunes vers l'Espagne. Moi, je me rappelle même, il y avait ici une classe où, par exemple, tous les parents des élèves avaient pris la pirogue donc en 2006 pour se rendre donc en Espagne. Donc c'est véritablement la situation de pauvreté, de chômage qui a poussé les jeunes à partir. Mais les jeunes là, ils sont très conscients que par la voie maritime, s'embarquer dans des pirogues de fortune sur une distance par exemple, de plus de 1000 km, parce que 1000 km après plus de 1000 km nous séparent le Sénégal donc de l'Espagne. Passer par la côte nord, qui est extrêmement agitée, vraiment comporte des risques. Mais ces risques-là, ils ne les voyaient pas. Et tout ce qu'ils voyaient, c'est arriver et commencer à travailler pour pouvoir régler leurs problèmes. Donc ce n'était pas pour aller faire du tourisme. Hein? Ce n'était pas pour aller vraiment se promener là-bas. C'était tout simplement pour pouvoir, vitalement, comme tout le monde, connaître une situation meilleure et ne pas tendre la main. Donc c'est ça en fait le contexte quoi, véritablement de l'immigration clandestine ici à Yarakh, qu'on appelle actuellement la commune de Ad Belair et qui est située à 5 km du centre-ville de Dakar, donc qui est la capitale du Sénégal.